tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, j'ai une idée. Enfin, peut-être pas, c'est une idée de ouf. Peut-être que j'ai déjà fait. Peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont fait, bien sûr. Alors, Télé-Tété, j'ai envie de me regarder. On va commencer par les femmes. Parce que chez moi, c'est les femmes à l'honneur. Désolé, les garçons. Et oui, vous avez rien à dire parce que normalement, vous devez être des gentlemen. Donc, c'est les femmes avant. Ok. Alors, on va regarder le passé de certaines femmes. On va regarder au niveau sentimental ou autre. Et je vais regarder également dans ce passé si les choses ont été réglées pour le présent, tu vois. Je me suis dit ça. Ensuite, pour les... Je vais dire pour les princesses. Non. Je regarderai après le présent. Genre maintenant, quoi. Et ce qui arrive très 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 rapproché et dans le futur au niveau d'une personne, que vous soyez en couple, célibataire, compliqué entre deux. Je vais essayer également de regarder les blocages, sinon c'est pas rigolo. Allez, on va d'abord regarder le passé et bien sûr je vais mettre des signes astrologiques hein. On va essayer d'être un peu plus précis. Je réfléchis à comment faire pour être plus précise en fait, c'est pour ça que je fais cette tête. Bon, on va y aller au feeling. On va regarder, s'il vous plaît, pour les féminines de cette énergie, pour celles qui seront concernées. Pouvez-vous leur donner des messages concernant leur passé de manière générale, mais qu'on va pas trop rentrer dans, hein, on va rester quand même. Hein. Il y a une personne qui a voulu me faire chier il y a un mois. D'ailleurs, ça reste dans ma tête. Hein. Mais les gens, ils sont tellement débiles. Je vous jure. Naël m'a dit quoi? Il m'a dit au niveau des guidances que je fais. Mais je sais que cette personne dit n'importe quoi en fait. Qu'en fait j'avais pas le droit de faire ça. J'avais pas le droit de parler. J'avais pas le droit de raconter ce que je voyais. J'avais pas le droit de dire ce qui allait se passer. Parce qu'en fait j'ai pas de courrier signé de la personne en fait. Et qu'au niveau de la loi j'avais pas le droit. Mais en fait c'est que cette personne ou ces personnes ne savent pas. C'est que je connais des personnes qui travaillent dans le monde juridique. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit ça à cette personne ou à d'autres personnes. Et je pense que ça leur ferait bien rire. Non, mais franchement. Il y a des fois, je me tape des fous rires. Sérieusement, quoi. Enfin, bref. Alors, on va regarder le passé. Chacun sa façon de penser, j'ai envie de dire. Et au pire, vous savez, moi j'ai pas peur. Je cherche la merde. Non, moi je peux pas. Vraiment pas. Non. Vous savez pourquoi j'ai pas peur? Genre, j'ai vraiment pas peur. J'ai peur de peu de choses, à part des pieuvres. Et de Dieu. Non, j'ai pas peur en fait. Parce que j'essaye d'être carré, j'essaye de faire avec ma conscience de comment on me dit de faire les choses. Et puis, si un jour il y a quelque chose qui se passe, ben, c'est que j'ai fait une bêtise. Et puis, tout simplement, quoi. Et ça me fait pas peur d'assumer les actes. Donc, quoi qu'on me dira, je ferai toujours avec mon cœur et ma conscience. Donc, même si les gens sont pas contents, ben. Le passé de certaines femmes, ben, comme beaucoup de femmes, hein, des femmes qui ont été trahies, qui ont été blessées, qui ont été dans l'illusion, hein, un passé noir apparemment. Beaucoup de femmes trompées, trahies, beaucoup de femmes également dans des mauvaises emprises, hein, tu vois, des emprises. Hein, des emprises. Voilà, ouais, en plus on a la consultante bizarrement. Moi je vois des femmes qui ont été des féminines honnêtes, tu vois. Elles ont été honnêtes, elles voulaient de la tendresse, elles voulaient juste qu'on prenne soin d'elles. Elles voulaient quelque chose de bien, tu vois, de l'affection. Et il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup croire à des choses qui n'existaient pas en fait. Mais on voit que les féminines là, elles ont réalisé qu'en fait c'était très toxique.
c'était pas forcément bien et trahison quoi. Trahison, disgrâce. Bon, on regarde. On met 4. Alors, on regarde, c'est à quoi on, vous aviez la clé d'un passé. On a toujours la clé. L'instabilité, l'inconstance. Un jour je ris, un jour je pleure. Attendez, j'ai pas pu regarder un truc dans le passé quand même. Putain. Beaucoup de problèmes dans le passé, beaucoup de blessures. Mais en fait, les féminines, là, elles savaient qu'elles méritaient de l'amour, elles méritaient de la tendresse et elles le voulaient maintenant, tu vois. Elles voulaient pas attendre, en fait, de quelque chose qui était pour elles ben, normal, tu vois. Par contre, à un moment donné, on voit des féminines dans le passé, elles ont agi, comme les gens agissaient, mais pas au bon moment. Après, c'est pas des réflexions que je fais moi aussi autant... Je fais plein de conneries. Hein. Parce qu'il y en a, ils aiment pas quand je fais ça. En vrai, vous avez agi, mais ouais, pas au bon moment, tu vois. C'était pas le bon moment. Mais ça vous a permis, malgré tout, même si c'était pas le bon moment, de guérir. Tu vois? Même si c'était pas forcément le bon moment d'agir à un moment donné, eh ben vous, ça vous a permis en quelque sorte de guérir et de retrouver votre enfant intérieur et de communiquer, tu vois. Après, chaque chose en son temps, tu vois, il y en a qui guérissent plus vite, il y en a qui guérissent pas vite. Il n'y a pas un concours en fait de celui qui va se guérir ou qui va avancer plus vite en fait. Bon, on a de l'instabilité dans le passé, des relations instables. On voit que c'était le destin, c'était écrit, hein, que voulez-vous. On voit que vous aviez par contre la clé. Mi figue et mi raisin. Vous étiez dans une relation quand même. Hein. C'était pas un PCF. Hein. C'était pas un CUL quand même. Parce qu'il y avait quand même un truc d'engagement. Vraiment. Mais malgré ça, il y avait des possibilités. Tu vois. Mais il y a quelqu'un en fait qui a fait n'importe quoi et qui a gâché l'histoire du passé. Quoi. On continue dans le passé avec le toi et moi. On prend 4 cartes aussi. On a une énergie tierce. Il y avait un choix, une hésitation, une rivalité. Moi, c'est comme si je vais vous faire un schéma, vous expliquer dans le passé c'est quoi. C'est des gens qui étaient en couple avec un homme, avec une femme. Ils étaient vraiment engagés, c'était pas un CUL. Par contre, voilà, il y avait des hauts, il y avait des bas. On pouvait s'en sortir. Si on aurait vraiment voulu que ça marche, mais on aurait pu, mais on n'a pas fait. Et apparemment, il y en a un des deux qui a rencontré, ou il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé sur le chemin, et c'est le destin. Quelqu'un de nouveau, c'était pas un ex, tu vois, une triangulaire qui est liée à une nouvelle personne, mais dans le passé. Faut suivre. À cette époque-là, c'était pas une ex ou un ex, tu vois. Et ça a fait une énergie tierce. Donc, c'est peut-être ça la tromperie. Et on voit d'ailleurs que cette personne, cet homme ou cette femme, s'est cassée, clairement, avec quelqu'un d'autre. Qui n'était pas une ex à l'époque. Faut suivre, hein. Ouais. Qui s'est cassé pour aller dans une autre relation. Voire même pour certains et certaines des vies communes. Hein. Ben on voit forcément que ça nous fait mal. On voit que la femme ou l'homme a eu le cœur brisé. Ça a été très difficile de vivre ça, de voir ça, d'accepter ça. Et c'était très difficile d'accepter les décisions de cet homme. Qui est parti avec une autre femme ou interchangeable avec une autre femme. Et on s'est dit bah, que ses décisions n'étaient pas sérieuses. Que cet homme, on ne le reconnaissait plus à ce moment-là. Ce n'était pas l'homme avec qui on était vraiment. On avait l'impression de voir quelqu'un d'autre. Un connard, clairement. Quelqu'un de superficiel. Quelqu'un, franchement, un con. On avait l'impression, franchement, de voir une ordure. De voir un pauvre type, clairement. On a l'impression d'avoir fait notre vie ou d'avoir passé quelque temps avec quelqu'un
qu'on ne connaissait pas en fait clairement. Voilà. Pas folichon. C'est pas folichon. Ça, c'est pas bien. Après, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vrai que ça fait mal. Si c'est toi qui te fais quitter pour un autre ou une autre, ben forcément, ça fait pas bien. Tu vois. Ou se faire tromper, tu vois. Forcément. Après. Après, c'est mieux que cette personne s'en va, qu'elle mente et qu'elle te dise qu'elle t'aime alors qu'elle n'est plus bien avec toi. Bon, après, si c'est toi qui es là et qui se fait quitter, forcément, tu es pas d'accord. C'est pas. Voilà. Tu vois, ça dépend où tu te places, toi, en fait. C'est ça le truc. Voilà. Après, par contre, si cette personne a joué double jeu et qu'elle restait avec toi et pendant ce temps elle voyait l'autre personne et qu'elle faisait sa vie en fait avec les deux, là non, c'est un connard. Là, c'est pas bien. Ça c'est pas bien ça. Ça il faut même les femmes, il faut pas faire ça. Hein. Vaut mieux se séparer hein. Ou sinon on fait rien. Après chacun fait ce qu'il veut. Mais non. Non, non, faut pas faire ça. Après, je sais que c'est des fois c'est difficile, mais non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Apparemment, cette femme nouvelle du passé, c'était en lien avec la vie professionnelle du monsieur. Il a rencontré au travail, de près ou de loin, pendant ses sorties du domicile, en fait, hein. Ses sorties de sa petite maison. Apparemment, c'est ça. Ah, bah ouais, concurrence et rivalité. Je pense qu'il y a une femme. À ce moment-là, elle s'était battue pour le garder. L'homme qui part avec l'autre femme, malgré l'instabilité de leur relation. Elle s'est quand même battue. J'espère pas que c'était une amie en commun, par contre, parce que ça, c'est pas top. Hein. Par contre, cet homme dans le passé, ou peut-être maintenant dans le présent, regrette. Hein, cet homme-là. J'espère juste qu'il n'a pas trompé. Après, c'est pour ça qu'on a eu la carte de la trahison. Après, ça dépend. Ça dépend. Trahison, on peut se sentir trahi, hein. Et on peut nous trahir, ça. Il y a plusieurs façons de trahir les gens. Mais pour moi, l'homme qui part, qui était parti voir ailleurs, clairement, bon, il est parti voir ailleurs, c'est ça. Ben, il passe, il a regretté de suite, mais soit maintenant, c'est sûr qu'il regrette dans le présent. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, là, on n'est plus dans le passé. Il regrette maintenant. Ça, c'est sûr. Ça, il s'en mord les doigts. Il est dans la culpabilité. Ça, oui. Peut-être pas au moment qu'il a fait. Sinon, il l'aurait pas fait. Mais en tout cas, maintenant, oui. Il fallait réfléchir. Fallait réfléchir. Hein. Non? Fallait réfléchir, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est sûr qu'il regrette dans le présent. Ben, fallait réfléchir. Fallait pas. Eh oui, l'herbe, elle est plus verte ailleurs, pas toujours. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on trouve. Ah oui. Ah ben oui. Ben oui, il regrette. Le monsieur ou la madame regrette aujourd'hui. Et oui, il faut pas oublier. Que la passion, l'excitation, le désir, là, le truc de la folie dans ta tête, ça dure que quelques mois. Hein. C'est très rare que ça dure longtemps, à part par certains. Hein, mais c'est très rare quand même, de manière générale. Donc voilà.
Donc, monsieur regrette. Ou a regretté dans tous les cas. Alors, pouvez-vous nous dire ce qu'il avait dans sa tête à ce moment-là? Égoïste. Enfin, égoïste. On a deux fois la clé. Alors, la clé d'un appartement. La clé, le pouvoir, la clé, l'ouverture. Non, cet homme-là, à ce moment-là, il avait quoi dans la tête? Ben, il s'est dit, je suis un homme, je suis maître de mon destin, je suis sûr de moi, je vais pas regretter, j'ai confiance en moi. Ah oui, je risque de dire un truc qui va pas faire plaisir. Après, sachez que c'est passé, hein. Les états d'esprit changent. Je vais dire un truc, je pense que très difficile pour ceux, par contre ceux qui s'en foutent de lui, ça vous fera rien, ça vous fera rire. Mais celles ou ceux qui ont encore du désir pour leur ex, passez la vidéo dans 5 minutes. Parce que ça, c'est... Enfin, je me mets à votre place et je me dis, ça risque de faire mal. Pour ceux qui sont vraiment très amoureux, amoureuses. Hein. Après, si vous voulez savoir ce qu'il en est, bon, j'arrête. En gros, il avait quoi dans la tête? Il s'est dit, je regrette pas, déjà au moment présent. Il s'est dit qu'en fait, cette nouvelle femme, c'était la femme de sa vie, c'était son âme sœur, c'était une évidence. Il ressentait, que, voilà, tu vois, quelque chose genre... Il oublie, en fait, il a oublié sa femme, sa copine, sa partenaire du moment, quoi. Pourtant, il y a eu quand même une histoire, malgré de l'instabilité. Mais genre, voilà, il en fait trop. Il s'est un peu emballé dans sa tête. Il s'est dit, il s'est vraiment très, très précipité. Laisse tomber, quoi. C'était trop. Il est devenu beaucoup plus communicatif, mais pas avec vous, avec elle. Il ressentait énormément d'émotions et des émotions malheureusement qu'il n'avait plus ressenties depuis un moment. C'est pas bon ce que je dis, hein. C'est d'être difficile. Hein. Et il a beaucoup plus parlé, il s'est beaucoup confié en fait. Hein. Et il y a cru. Il a vraiment cru qu'il ne regretterait pas. D'être partie de cette histoire du passé, de cette fille, peut-être vous, peut-être c'est l'inverse, mais franchement, il a vraiment cru, il était convaincu que c'était vraiment son destin, que c'était la meilleure des décisions, peut-être même cru que c'était sa flamme jumelle ou âme sœur, ça dépend. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que c'est les gens avec qui on est, je me dis, c'est pas que notre copain, c'est pas que notre mari, c'est, bah, je sais pas, on passe du temps énormément ensemble, on se confie, on parle, on donne notre confiance, on fait des choses, on envisage des choses, on fait des choses, ça devient notre meilleur ami, ça devient notre âme sœur, ça devient notre frère, ça devient notre père, ça devient notre confident, ça devient tout, quoi, tu vois. Et il y avait quand même ça avec l'autre, en fait, peut-être vous, cette femme. Et du jour au lendemain, en fait, ben, il change tout et il donne tout à l'autre, en fait, encore plus, en plus, tu vois. Il donne des choses, en plus, il a donné des choses qu'il donnait plus à la fille avec qui, ou la femme avec qui il était, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'attendre. Je dis jamais d'attendre, mais c'est vrai que de deux trois fois en ce moment, je dis oui, attendre, attendre avant de s'emballer, avant de prendre une mauvaise décision avec énervement, avec les pulsions là, avec les désirs, avec voilà, la folie intérieure humaine. Je pense voilà, il faut laisser un peu le temps, tu vois, et de se dire également de se projeter. Bon, peut-être les hommes feront pas ça, mais bon. Ah ouais, mais bon, voilà, les hommes. Hein. Eh bien, faut se projeter et s'imaginer notre vie définitivement sans lui ou sans elle.
ça te fait quoi? Genre, tu fermes les yeux et tu t'imagines plus parler, plus écouter, genre fini, genre comme si cette personne n'avait jamais fait partie de ta vie. Genre, rien, ça te fait quoi? Bon, pour ceux qui détestent leur ex, ils vont dire yes. Et pour ceux, ben voilà. Bon, il faut voir la réponse qu'il y a en vous en fait, hein. Avant de prendre une décision. Non, mais t'es carrément dans. Voilà. Mais il a regretté. Il regrette aujourd'hui pour moi. Donc voilà. J'ai ça comme message. Le passé de la femme. Ok, bon. C'était le passé de la femme. On va regarder maintenant le présent. Ce qui ressort. On regarde. Ah, j'avais dit que je regarderais également si ça s'est réglé au niveau émotionnel, genre si ça va. Ça n'a pas laissé trop de traces négatives. Est-ce que le passé des féminines a été réglé? Genre, est-ce qu'elles ne souffrent plus? Est-ce qu'elles ont guéri, travaillé sur leur blocage du passé, accepté également? Communiquer clairement au niveau du passé. Déjà, les féminines, vous avez gagné beaucoup plus confiance en vous. On vous conseille de parler quand même, hein. Peut-être qu'il y a encore un peu besoin d'en parler pour certaines. Mais vous avez gagné en confiance, hein. Au niveau même de vos décisions. Pour moi, c'est pas 100% guéri au niveau du passé, mais ça se fera cette année, dans les prochains mois. Vous êtes en train de traverser un processus et franchement, vous avez beaucoup, beaucoup avancé sur votre passé. Donc, c'est bien. De grands changements positifs, ça se fera. Bon, pour moi, vous avez beaucoup avancé, même maintenant, actuellement. Mais encore plus dans quelques mois. Donc, vous avez fait un gros gros travail. Et tout ce qui est du passé, ben, c'est au passé. Et franchement, vous êtes de plus en plus rayonnante, beaucoup plus heureuse. Vous avancez vraiment sur votre cheminement, sur votre mission de vie et tout. Amélioration de l'état de santé. Ça ne vous fait plus souffrir normalement. Ou très peu. Ok, on va regarder votre présent maintenant. On va regarder. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous parler du présent des féminines, des femmes? Avec l'oracle coup de cœur, s'il vous plaît. Pouvez-vous, s'il vous plaît. Le présent. Ouais, oui, vous avez guéri. Je pense qu'il reste deux, trois traces, mais vite fait. Mais l'oracle te dit oui, t'as guéri, quoi. Cette triangulaire ou le fait qu'il est parti avec elle, ça a dû vous faire vraiment quelque chose, hein. Même peut-être qu'il y a une infidélité ou même un rapprochement. On a l'impression. Ok. On regarde ce qu'il dit, du coup. Le présent, c'est quoi? C'est l'interdiction. C'est pas possible. Un gros blocage là. On parle de blocage. On voit que c'est sombre. C'est un stop. C'est un blocage. C'est mort. C'est pas possible. Cul-de-sac, c'est actuellement au niveau d'une personne. Masculin. Ça, c'est pas l'ex. C'est pas lui. C'est un autre. C'est pas. En fait, c'est pas lui là. C'est pas lui que je viens de raconter. C'est un autre. Et pourquoi interdiction au niveau de lui? La santé. Les problèmes de santé. Actuellement, en fait, on nous parle qu'il y a un homme
qui n'est pas peut-être pas inconnue à vous, ou plus trop ou pas, dans pas trop longtemps quoi, il sera plus inconnu. Mais par contre, il a une maladie, ou alors il a un souci émotionnel, santé, en tout cas on parle de santé, il a un problème, hein. On a les réseaux sociaux, ou le fait de communiquer, de parler, d'échanger. Mais on a une interdiction sur lui. Alors soit c'est lui, il veut pas faire quelque chose avec les féminines à cause de sa santé justement, mentale ou même maladie physique. Hein. Ou alors c'est les féminines qui ne veulent pas aller vers lui à cause de sa santé. Mais on voit qu'on communique sur ça. Mais il y a un blocage, il y a vraiment un blocage, blocage communication. On communique sur la santé, on peut même regarder des trucs sur la santé sur les réseaux, genre les forums, des sites, des pages sur la santé en fait en général. C'est vrai que je sais pas pourquoi, c'est peut-être ma façon de penser. Mais genre, vous avez vu quand j'ai dit ou alors, quand j'ai dit ou alors, c'est peut-être la féminine qui s'interdit quelque chose avec cet homme parce qu'il a des soucis de santé ou liés à la santé. Je sais pas si vous avez vu, si j'ai été un peu mal à l'aise. C'est vrai que j'étais mal à l'aise. C'est vrai que je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise, ce genre de choses. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Le fait de. Genre, ça me met mal à l'aise, le fait de dire. Qu'il y a peut-être des gens qui refusent des histoires avec des gens qui ont une maladie ou pour à cause de leur maladie. Après, c'est sûr que c'est leur droit, hein. Enfin, voilà, on va pas se forcer à être avec quelqu'un. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi. Mais ça l'a toujours été, genre. Après, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une maladie, mais. Après, bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais. Je ne sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise de penser. Qu'il y a des gens qui refusent l'amour d'un homme juste parce qu'il a une maladie. Après, oui, bien sûr, je ne critique pas. C'est juste, c'est moi, ça me met mal à l'aise en fait. Mais ça me met mal à l'aise en fait. Alors que c'est peut-être vrai, vous voyez. Mais je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise. Je sais pas. Peut-être parce que je me mets à la place de l'homme ou de la femme qui est malade, tu vois. Enfin, il n'a pas demandé à être malade. Tu vois, c'est triste en fait, en quelque sorte. Mais je pense que. Ouais. Ouais, ça me met vachement mal à l'aise. Après, bon, voilà, il y a des femmes ou des hommes. Après, c'est leur droit. Mais je pense pas qu'elles disent ou qu'ils disent clairement que c'est à cause de leur maladie, tu vois. Bah, après, ça doit faire encore plus de mal à l'homme ou à la femme, tu vois. Bah, clairement. Solution à un problème. Je prends l'oracle magique, Luna. On est en communication avec un homme, par écrit. Et on parle de santé. Alors, c'est peut-être lié à la situation générale, ça m'étonnerait pas. Mais on s'interdit d'aller vers la solution, qui est proposée par un homme. Et on communique avec un homme lié à la santé, à tout ce qui est lié à la santé. Et qu'on voit qu'en fait, même on dit que c'est trop long et que les choses se développent de manière lente au niveau de tout ce qui est lié à sa santé, à la santé. Et on voit même des communications très lentes. Enfin, il y a de la communication, même sur les réseaux, on voit des choses un peu lentes quand même, tu vois. C'est pas rapide, quoi. Je sais pas, j'espère pas qu'on me parle du Covid là. Parce que moi, je fuis tous les gens là qui parlent de Covid. Même quand je veux au coiffeur, Covid. C'est bon, quoi. C'est bon. On mange Covid, on boit Covid, on pense Covid, on dort Covid. C'est bon, quoi. Covid. Ouh. C'est bon. On oublie de vivre. On oublie
de rire, on oublie des choses, je sais pas moi, en vrai, il n'y a que ça, quoi. Il y a plein de trucs, hein. Mais on parle qu'il y aura la paix, malgré que c'est lent, au niveau des réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, et également grâce au contact et à la communication. Alors, est-ce que ça va parler pour vous, les féminines, actuellement? J'espère que ça va pas vous parler juste de la situation sanitaire, s'il vous plaît, me dites pas ça, et que ça a un lien avec la vie sentimentale. Alors, on va regarder. Alors, problème de santé, alors, ça peut être même, peut-être qu'il a un rhume, hein, c'est les hommes. Ça y est, ils ont un rhume, ou alors il s'est cassé le poignet, quoi. On a la carte de la tromperie, de l'adultère, de la méfiance qui porte ce masque. Interdiction, c'est interdit de trouver solution à un problème parce qu'il y a quelqu'un ici qui a trompé ou qui est trop dans la méfiance et qui n'arrive pas à être elle-même ou lui-même, même par écrit. On voit que cette personne, en fait, n'est pas elle-même. On voit qu'il y a vraiment quelque chose ici qui prend énormément de temps actuellement. On voit des communications qui sont lentes. On dit que même il y a quelqu'un qui attendait des messages, des textos, tout ça, quoi. Il y a même quelqu'un, on nous dit qu'il voulait attendre qu'une personne enlève son masque. On voit qu'il y a une réconciliation ou le fait de s'arranger avec quelqu'un, de retrouver la paix également. Mais on nous dit que c'est lent, c'est bloqué, que c'est trop lent, que c'est mou. On a la période de l'été pour une réconciliation. Normalement, c'est pas plus, hein. Et on parle ici d'un amour véritable, mais quand même secret. C'est quoi la carte qui a sauté là? C'est l'addiction, l'obsession. Il y a quelque chose quand même qui est un peu toxique, hein. Ou addictif, tu vois, c'est trop, quoi. On pense trop. Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, cette personne? Elle se transforme, elle veut changer, elle veut renaître, elle veut devenir une personne encore plus fraîche qu'elle a été, elle veut se développer. Et une personne qui surveille, qui espionne les réseaux sociaux, les connexions WhatsApp, les connexions Messenger. Les messages, qui regarde les photos, qui regarde les amis, plein de choses comme ça. On voit ici une personne qui est très curieuse également actuellement. C'est ça qu'elle a dans sa tête. Elle veut savoir des choses. Et on voit que cette personne, dans ce moment, elle veut se purifier. Elle veut aboutir à quelque chose. Elle veut finaliser. Elle veut arrêter quelque chose. Elle veut clôturer quelque chose. Elle veut se casser pour passer à autre chose, pour aller avancer dans sa vie, tu vois. Et on voit que dans sa tête, une personne là, elle veut rejeter, elle veut être dans le déni, elle veut se faire désirer, elle veut défier, elle veut pas qu'on puisse la contrôler, tu vois. J'ai quelque chose comme ça. Ok, alors on va regarder, attendez. On va regarder maintenant le futur. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous plaît, je pourrais en faire plus souvent. Et c'est plutôt simple du coup, dites-moi si ça vous a plu au cas où. Bon, j'ai deux vidéos, je sais qu'elles vous plaisent, du coup je les fais de temps en temps, une fois par mois. Allez, on regarde le futur maintenant. Alors après, je donnerai des signes. Hein. Mais moi, je pense qu'il y a des signes d'eau là. Signes d'eau.
Ouais, signe d'eau, dodo. Signe d'eau, j'ai un autre, mais je n'y viens pas là. Mais eau, c'est poisson, cancer, scorpion. J'en ai un autre, je l'ai vu, mais j'ai oublié de vous le dire. Genre, voilà. J'ai une image, mais je l'ai pas. Ouais. Alors, on va regarder dans le futur qu'est-ce qui se passe. On a la déclaration. On a de la tendresse, on a de l'affection, on a de l'amour. On va s'aimer. Avec innocence, pureté, fraîcheur, nouveauté. Mais bon, il y a quelqu'un qui gardera son masque quand même. Qui voudra pas trop qu'on voit qui il est ou elle est. Qui sera un peu encore dans le déni. Mais bon, on a quand même avancé. On a une déclaration d'amour. On a le fait de dire ses sentiments. On va tomber de haut à un moment donné parce qu'il y a une personne qui va agir, qui va prendre les clés à son cou. Yes. Ok. On va prendre l'oracle magique Luna. Je bug. Celui-là, je l'ai pris. Ah bon, c'est pas grave. On regarde. Alors, on voit déjà dans le futur de l'amour. On voit quand on va nous. Voilà, là, 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 là. Amour puissant et pas toxique. Amour puissant. On va nous déclarer ses sentiments. On va nous câliner à fond. On va nous faire du bien. On va nous aimer. Par contre, deux fois la carte des enfants, vous allez me faire un gosse. Ou alors, un gosse. Un gosse. Ou alors, c'est le fait d'être innocent, d'être pur, une belle relation fraîche. Ou alors, il y a des enfants qui sont au milieu. Ou alors, c'est il y a quelqu'un qui ressort un peu naïf, naïf, hein, jeune d'esprit. Quelqu'un d'un peu plus jeune au niveau de l'âge, hein, pas excessivement beaucoup, mais en plus on a le charme, la séduction. On a l'automne. Alors on a l'automne. Alors là, d'autres signes astro pour moi, il y a Capri. Capri, c'est fini. Après, je sais pas la suite. Capri, Capri, on a ben, la Vierge et on a les taureaux. Voilà. Ok. Vous allez gagner des sous dans le futur. Vous allez avoir soit une augmentation, soit vous allez avoir une stabilité financière, professionnelle. Il y a quelqu'un qui cache des choses sur un enfant ou sur son enfance. Ou quelqu'un veut pas montrer son cœur, veut pas montrer vraiment. Qui veut cacher son âme, qui veut. Parce que quelqu'un qui a vraiment un bon fond, tu vois. Et bon, elle va vous donner quand même des belles choses, hein. Faut pas non plus être excessif. Hein. Mais cette personne, c'est comme si elle voulait cacher sa sensibilité, tu vois. Dans le futur, on voit qu'on va envoyer des messages, oui, forcément. Le fait d'être dans la séduction, la passion, apparemment, c'est un ex du présent. Donc, faut capter. Hein. Parce que là, on est dans le futur. Voilà. Donc, c'est un ex qui est de maintenant. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit que vous connaissez déjà là maintenant, ou soit quelqu'un que vous allez rencontrer dans pas longtemps, quoi. Mais bon, ça peut être très très bien aussi un ex du passé passé, quoi. Voilà. Faut suivre, hein. Ok. Vous allez être un peu dans la merde parce que clairement là en fait c'est comme si vous allez devoir choisir entre votre ex et bon, votre ex de maintenant, enfin peut-être c'est pas votre ex actuellement, et quelqu'un de nouveau qui débarquera, genre pas même, il est pas là, vous connaissez pas, hein. Faut suivre, tu vois.
Donc, résumons. Là, on est dans le futur, c'est normal que vous ne compreniez pas. Là, on est dans le futur, tu vois. Et du coup, dans le futur, on te dit que tu as un choix à faire entre quelqu'un nouveau que tu connais pas maintenant, là, tu le connais pas, c'est sûr, et quelqu'un que tu connais maintenant, c'est sûr, là, tu le connais aujourd'hui. Voilà, c'est simple. Alors, s'il y a personne qui t'intéresse maintenant et du passé, eh ben c'est bon. C'est bon. Mais bon, attention, ça peut être quelqu'un que tu vas rencontrer dans quelques temps. Et ça fait partie quand même de quelqu'un du passé, quoi. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. On va voir dans le futur, vous allez avoir quoi dans la tête? Déjà, vous êtes en couple, d'accord? Vous êtes avec quelqu'un. Vous êtes fou in love, vous êtes amoureux, vous faites des bisous, des câlins, vous faites l'amour. Soit vous allez faire un enfant, soit je sais pas. Vous allez vous aimer, un truc de ouf. Par contre, faudra faire un choix entre l'ex et la nouveauté, tu vois. Par contre, quand tu feras le choix, soit tu seras avec ton ex là, Kalinou et tout, I love you baby, soit avec la nouvelle personne, I love you Kalinou baby. Mais à ce moment-là, il y a soit l'ex, soit la nouvelle personne que tu vas rencontrer qui va te contacter. Voilà, encore plus compliqué pour te foutre bien dans le. Ok. Alors, bon, en tout cas, ne te prends pas la tête parce que il y a toi et moi. Toi plus moi. Voilà, il y a beaucoup d'alchimie, il y a la fusion, il y a l'amour. Par contre, c'est quelqu'un qui est lent, de nature lente. Qui s'est fait un peu désirer. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais c'est quelqu'un qui paraît lent. C'est vrai que ça nous fait penser au tirage du présent quand même, hein. Mais bon, parce qu'on voit quelqu'un qui était un peu lent. On voit quelqu'un, les pensées en fait, son état d'esprit, genre voilà, dans le futur, c'est ouais, pareil que maintenant en fait. Je me transforme, je veux toujours être quelqu'un de meilleur. Par contre, attention parce que quelqu'un qui va se sacrifier, qui va être trop dans le sacrifice d'elle-même ou de lui-même. On voit que cette personne s'ouvrira énormément à vous, va beaucoup vous parler de ses émotions. Par contre, on a pris du retard parce qu'il y a quelqu'un qui devait se séparer. Oui, on fait tac tac, on va là, après voilà. Voilà, c'est quelqu'un ici qui était en couple apparemment, qui était en couple. Donc forcément, ben voilà, ça a pris du temps. Et cette personne va vous le parler, va vous le dire. Bon, voilà, c'est tout. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous.